Das ist die zweite Kehr, wo ich einen anderen Ursprungspartner bei mir habe. Und das hier also eine Person, die ich schon relativ auch lang kenne, und wo ich beim Radio meine Startup-Sendungen gemacht habe. Da war es sich unumgänglich für nicht mit Jean-Louis, mit Charles-Louis, pardon, an Kontakt zu kommen. Weil der Charles-Louis hat sich schon zu der Zeit ein bisschen an die Richtung etabliert, wo hin potenziell gesehen hat, dass zu Lützeburg Startups Sinn machen. Ganz am Anfang, wo ich mit ihm diskutiert habe, da war immer okay, der Standort Lützeburg geografisch gesehen, Zentrum von Europa, relativ gut gebunden, was den Flughafen anbelangt. Sprachen natürlich, wenn es ein Land ist, wo Dofis Französisch, Deutsch, Lützeburgisch und auch natürlich Englisch geschwätzt wird, dann ist das für das Business natürlich ganz interessant, dann auch wenn du eine Entreprise aufhängst. Und du hast quasi ein Testbett, wo vier Sprachen geschwätzt gehen. Das ist genial. Zumal, wenn du ein Internet-Site hast oder ein Internet-Service, eine Online-Plattform, wo ist die Möglichkeit für direkt die vier Sprachen schon mal zu testen? Natürlich ist der Marché von Lützeburg relativ restriktiv, aber du kannst aber sich Lützeburg als Sprungbrett benutzen, für dann den internationalen Marché abzumachen. Und meine Idee von heute war, sich für ein bisschen mit Charles-Louis zu schwätzen, war das nun mal den Impact von der aktuellen Situation auf die jungen Unternehmen. Mehr aber auch ein bisschen für den Point zu machen, was das die letzten Jahre an der Startup-Szene zu Lützeburg geschieht, was tut sich bougiert, als irgendetwas Neues herauskommt, weil ich kann mich auch erinnern, ganz am Anfang, da wurde auch der Premier, den hat zwar ein bisschen geschwärzt, punkto, ja, junge Unternehmen sind wichtig, mit das wirklich Regelung, die letzten ein, zwei, drei Jahre, wo massiv investiert ging, ist. Wo du kannst so eine heute Entreprisen, auch wenn es dein geckige Idee ist, kriegst du aber ein bisschen suchen. Charles-Louis, bonsoir pour moi. Et Oui, bonjour pour moi. bonjour pour toi. Ouais. Qui es-tu en fait? Qui je suis? Donc moi, je suis français. Je suis arrivé au Luxembourg il y a 11 ans maintenant. Ça fait 11 ans le 15 mars. Et donc voilà, j'ai 37 ans. Je suis marié, j'ai trois enfants. Je vis à Luxembourg-Ville. Et puis voilà, depuis que je suis arrivé au Luxembourg, il y a en fait, je suis arrivé, j'ai fait mes premiers pas au Luxembourg dans une start-up de e-commerce. Et depuis, je ne suis pas sorti de cet écosystème start-up et aussi média. Et puis, il y a 6 ans, j'ai lancé voilà, un média pour les start-up. Et voilà, maintenant, je vis au Luxembourg, je m'y sens bien, je suis installé. Et voilà, j'ai aussi envie de m'impliquer à plusieurs niveaux. Je pense qu'avec Silicon Luxembourg, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, donc comme je disais, moi avant de. Enfin, je suis arrivé au Luxembourg il y a 11 ans et avant j'étais à Montréal, au Canada, pour un autre projet, pour une ex-start-up française qui est maintenant devenue une belle grande entreprise. Et sinon, voilà, j'ai commencé ma carrière plutôt en agence de design. Mais j'ai toujours été passionné par l'innovation et les médias. Ça a toujours été quelque chose qui m'a drivé depuis longtemps, depuis en fait mes études et même les médias. Je pense même avant à l'école déjà, je collectionnais des magazines. Et voilà, j'ai forte passion aussi pour le sport que j'ai pratiqué beaucoup et aussi beaucoup l'innovation dans le sport qui était un des premiers domaines dans lequel voilà j'ai voulu entrer. Et puis finalement, chemin faisant. Voilà, l'innovation dans d'autres domaines m'a permis, voilà, de me réaliser dans mes projets. Et voilà, tout ce qui est technologie dans le sport, c'est quand même un truc que je continue de regarder beaucoup. Donc c'est une passion, on va dire, à côté. Il y avait une start-up au Luxembourg qui spécialisait dans ce créneau. La dernière fois que je les ai rencontrés, ils faisaient en fait
sorte de gérance club, mais ils avaient aussi d'autres idées, genre de l'AI, de la, oui, pour. Oui, c'est l'équipe de Gilles Mangène, donc c'est Sport 50 qui est devenu maintenant Clubby. Et voilà, effectivement, je pense qu'il y a une dizaine de startups qui sont dans ce domaine-là aujourd'hui, un peu sport, technologie. Gilles, c'est aussi un, je crois maintenant, ex-professionnel de hockey sur glace, et donc qui est aussi très, très impliqué dans dans le tissu luxembourgeois. Et moi, je trouve ça super, justement, par exemple, qu'un entrepreneur comme Gilles ait réussi à faire de sa passion le sport et de son autre passion, justement, l'innovation, voilà, son métier. Donc, voilà, c'est typiquement des entrepreneurs que moi, j'aime rencontrer. Gilles, ça fait déjà aussi un moment avec ses partenaires qui sont aussi, qui créent leur propre entreprise, qui se développent. Et voilà, c'est toujours des personnes passionnantes. Moi, j'aime bien rencontrer tout ça, tout simplement. Tu disais avant que tu étais déjà dès le début passionné des médias et tu avais un peu une petite graine d'entrepreneur en toi. Est-ce que tu penses que chez toi, tes parents, ils t'ont donné quelque chose? Je sais pas comment tu vois ça. Oui, bon, moi je viens pas forcément d'une famille d'entrepreneurs déjà. Moi, mes parents, ils étaient plutôt dans le domaine médical et informatique. Hein. J'avais mon papa qui était responsable informatique pour les hôpitaux de Paris, et ma mère qui était infirmière aide-soignante en bloc opératoire. Donc c'est aussi des sujets en ce moment dont on peut discuter puisqu'ils ont été pendant longtemps dans ce domaine-là. Donc voilà, moi j'ai une sœur aussi qui est maintenant plutôt en de communication, qui fait des relations presse, etc. Et voilà, j'avais pas forcément un parcours entrepreneurial. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert au fil du temps. Je crois que j'ai vraiment découvert les premiers entrepreneurs en fait vraiment autour de moi à l'université avec des copains qui commençaient leurs entreprises. Et puis je trouvais que c'était quand même un Moi, les entrepreneurs, ceux qui créent des entreprises, ça, ont toujours été des personnes finalement qui m'ont passionné dans leurs histoires, parce que je trouve qu'ils ont toujours réussi à réaliser ce dont ils avaient envie. Alors certains reprennent des entreprises familiales, donc c'est une autre approche, mais je pense que là, par contre, on est biberonné à l'entrepreneuriat très tôt, et puis ensuite il y a d'autres entrepreneurs, voilà, qui prennent des risques humains, financiers, et qui essaient de vivre de leur passion. Ça, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais par contre, je me suis pas du tout lancé en tant qu'entrepreneur au départ. J'ai vraiment, je suis sorti de l'université, j'ai cherché un stage, j'ai commencé à travailler. Et puis finalement, en fait, je me suis aperçu que, bah, dans les premières expériences, en fait, les personnes qui me passionnaient le plus, c'était toujours les numéros 1. C'était toujours, les entrepreneurs ou alors les responsables innovation. C'était vraiment les deux type de personne qui me plaisait le plus en fait dans le métier. Et puis au fil de mes expériences en fait, moi j'ai jamais fait de très longues expériences dans les entreprises. Peut-être que je m'y suis pas plu, peut-être que j'avais pas le profil pour faire aussi, peut-être que j'aspirais vraiment trop vite à d'autres choses. Et donc voilà, à un moment donné, je me suis dit que moi aussi je pouvais le faire. En fait, c'est ça. Il y a quelque part au fond de moi quelque chose qui me dit que si d'autres savent le faire, moi si j'ai les compétences, je ne vois pas pourquoi j'arriverais pas à le faire. Donc voilà, j'ai eu envie de me lancer dans ce domaine-là. À côté média, en fait, c'est quelque chose que je me suis rappelé finalement assez récemment. C'est vrai que j'en parlais au début de notre conversation. Donc j'ai eu depuis très petit voilà, une passion pour le sport parce que j'en ai fait beaucoup depuis très jeune et pendant assez longtemps. Et puis à la maison, je collectionnais en fait les magazines, les livres sur le sport et j'en avais vraiment beaucoup. Et ce qui fait que mes parents des fois me demandaient même de trier un peu parce que ça prenait de la place. Et ils m'ont aussi rappelé qu'il y avait un moment donné, j'avais peut-être 12-13 ans, et j'écrivais même des lettres à des journalistes, parfois quand j'aimais pas leurs commentaires à la télé, ou des choses comme ça. Et donc en fait, le côté média m'a toujours finalement assez plu. Le côté magazine aussi m'a toujours plu. Le côté objet, raconter des histoires, je préfère largement. Enfin,
Voilà, ma femme me dira toujours qu'il vaut mieux lire un bon bouquin, mais moi j'adore lire les magazines en fait. Et voilà, je trouve beaucoup, beaucoup de belles histoires dedans à découvrir. Et voilà, finalement, en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est sans doute, ça remonte sans doute à beaucoup plus longtemps que l'entrepreneuriat, finalement, m'a pas pour ce domaine-là, oui. Ouais, en effet, ici au Japon, tu as aussi beaucoup de jeunes qui lisent des mangas, notamment. Ce qui est quelque chose où je dois admettre, ça ne me branche pas trop. Mais la culture de la manga est tellement impliquée dans la vie quotidienne ici. C'est hallucinant. C'est vraiment. Les gens vivent les mangas même s'ils ne sont pas accros des mangas. Donc ça fait vraiment partie intégrante de la vie quotidienne. Mais ce que je voulais dire avant encore, dans un certain sens, on peut comparer le métier, tous les métiers de soins médicaux, docteurs, à l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneur qui veut rendre un service, qui veut satisfaire un client, qui veut faire vraiment de son mieux pour satisfaire un besoin, c'est un peu aussi ce qu'un docteur fait. Il fait ça pour les gens. Bon, j'argumenterai que c'est beaucoup plus important d'aider les gens à l'hôpital, surtout maintenant, on voit ça très bien, que maintenant avoir la dernière appli sur le téléphone. Mais je suppose qu'il y a le temps pour tout à un certain moment. Mais donc, c'est quand même aussi déjà un peu dans cette direction. Mais C'est maintenant, vrai, c'est vrai que les oui. indépendants, en fait, déjà de se lancer, de faire un métier à son compte, c'est déjà, enfin, déjà, il faut commencer déjà par ça avant de se dire on va créer une entreprise de X personnes. Déjà d'arriver à faire, de vivre de sa passion, parce que les personnes dont tu parles, les docteurs, etc., c'est aussi des passionnés. Je veux dire, on va faire docteur en faisant voilà, plusieurs années d'études et démarrer son cabinet, voilà, sans être passionné par ce qu'on fait. Et je pense que au fond, effectivement, qu'aujourd'hui, bah, c'est eux dont on a le plus besoin. Et voilà, et s'ils n'étaient pas autant passionnés, ils se lanceraient pas dans cette carrière-là. Alors certains après vont se dire, bah, oui, moi je reste pas forcément à mon compte, je crée un cabinet de plusieurs médecins, des cliniques dentaires ou des choses comme ça. Donc là, après des personnes qui passent un autre cap au niveau entrepreneurial. Mais je pense que déjà, compte ce qui est mon cas aujourd'hui encore. C'est une super expérience parce qu'on vit beaucoup de choses positives, négatives. On est personnellement, c'est hyper enrichissant. Moi, j'avoue que j'ai énormément appris à me connaître au cours de ces dernières années grâce à ça. Et voilà, maintenant mon projet, par contre, voilà, ça fait que je suis indépendant. Mon projet maintenant, c'est effectivement d'être entouré. Donc ça, c'est la phase d'après. Mais je crois qu'au final, que voilà, quand on se lance, au début, oui, on se lance seul, on se lance peut-être à deux, à trois, et puis après on construit. Ça dépend de chaque projet. Aujourd'hui, moi, j'arrive à gérer mon projet, par exemple, avec des freelances. Et voilà, le fait est maintenant que l'écosystème startup à Luxembourg a bien grandi, donc seul au quotidien, finalement, ça devient assez serré en termes de timing pour tout gérer, même en essayant de déléguer au maximum. Donc voilà, j'essaie vraiment de me dire maintenant c'est de grandir. Ouais. Avant qu'on revienne vers le fait que le Luxembourg s'est bien développé au niveau des jeunes entreprises, ce qui n'était pas le cas au moment où on s'est rencontrés. C'est vrai. Et puis, toi, à un moment donné, ok, ton idée était plutôt en ligne, un service, encadrer l'écosystème dès le début, mais à un moment donné, tu as fait du print et honnêtement, je me suis dit, ouais, il y a Paper Jam.
Ou il faut admettre, Paperjam et les startups, c'est à mon avis un peu trop glossy, c'est trop propre pour le dire salopement. Mais tu avais quand même le courage de faire ça. Est-ce que dans quel pourquoi tu osais ça? Parce que honnêtement, courage. Et maintenant, dans ces temps-ci, c'est peut-être aussi une opportunité, non? Oui, alors pourquoi? Ben, j'ai essayé de trouver plusieurs raisons. Bon, déjà, il y a le côté un peu passion. J'expliquais de notre conversation aussi que voilà, moi j'ai toujours été passionné par les magazines, donc typiquement c'était quelque chose voilà qui m'intéressait. Mais effectivement, au début, quand j'ai lancé Silicon Luxembourg, mon projet c'était vraiment de faire un média en ligne sur les startups technologies. On lit voilà sur son sur son mobile, on lit tout. Tout sauf un magazine en fait. Et donc je m'étais dit voilà ce sera le projet initialement en 2013. Ce qui a été le cas finalement pendant les 3 premières années, presque 3 premières années jusqu'en 2016. Et puis début 2016, j'ai commencé une collaboration avec un autre magazine à Luxembourg qui s'appelle IT Nation, qui est voilà, plutôt dédié au monde IT informatique, et qui m'ont proposé une collaboration pour fait rajouter un supplément, un Silicon Mag, dans leur édition avec de l'actualité startup sur quelques pages. Ça doit être peut-être une trentaine de pages. Donc on a fait 2 premiers numéros comme ça. Et puis ensuite, c'est à ce moment-là, moi j'avais encore une activité à temps plein, donc je faisais ça le matin, le soir, le week-end. Et puis en juin 2016, en fait, je me suis mis à mon compte en tant qu'indépendant. Et puis l'été 2016, en fait, j'ai tout repris et j'ai lancé un magazine, effectivement, physique, Silicon Luxembourg Magazine. Voilà. Et alors, pourquoi? Alors, il y a une raison, t'en parlais juste avant, c'était. On prend Paperjam ou les autres médias, c'est vrai qu'aussi tous les annonceurs en fait sont habitués à travailler à Luxembourg, ou en tout cas l'étaient, à travailler beaucoup en print avec tous les annonceurs. Et donc moi au début quand je cherchais des sponsors ou des annonceurs pour mon site, ah, j'avais pas une audience, enfin je pas des centaines de milliers de pages vues par mois ou des millions d'impressions. Et donc, il fallait que je trouve un moyen aussi de pouvoir les séduire. Et puis, en fait, c'était eux-mêmes qui disaient, mais nous, voilà comment on travaille avec les autres médias. Nous, on serait prêt à prendre une page de pub ou un article dans le magazine. Et puis, c'est comme ça qu'en fait, au début, je me suis dit, bon, bah, banco, essayons, lançons un magazine. Et puis, bah, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir une version qu'on a déjà faite en comptant les éditions un peu spéciales pour des partenaires ou des clients. Et voilà, mais ça, je pense que c'est aussi très, très typique au Luxembourg, le côté print. Il y a beaucoup de magazines. En plus, il faut que ce soit une certaine qualité. On en retrouve beaucoup dans les entreprises. Donc, ça, c'était assez logique par rapport au marché luxembourgeois. Par contre, je pense pas que j'aurais lancé le magazine dans un autre, si j'avais lancé Silicon dans une autre ville au départ. J'aurais pas fait un magazine. Je crois qu'en Europe, honnêtement, on est à peine 5 à faire des magazines, on va dire, assez réguliers. Je sais qu'il y en a un à Berlin qui s'appelle Berlin Valley. Voilà, on se suit, c'est assez similaire. Il y en a un autre qui couvre les pays nordiques qui s'appelle Co-Founder. Et voilà, honnêtement, j'en vois pas d'autres. Après, il y a des éditions, on va dire, annuelles. Donc, là, il y a Ouais, plusieurs, bon, ouais. voilà. Mais des magazines assez réguliers, on n'est pas beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, par contre, moi, sur les 3 dernières années, ça a été un marketing formidable. C'est-à-dire que aujourd'hui, le magazine, oui, on le retrouve dans tous les lieux où les startups travaillent, tous les incubateurs, accélérateurs, espaces de coworking. Le magazine est présent. Ça a beaucoup servi justement à accroître la notoriété de mon site. Maintenant, voilà, il faut être honnête, ça a été ma plus grosse dépense aussi sur les 3 dernières années. Franchement, c'est déjà beaucoup de travail, beaucoup de dépenses en rédaction, en photographie, en édition, en distribution, tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, je pense, c'est mon meilleur outil, presque un de mes meilleurs outils marketing. Et ça a surtout servi, je pense, un peu à révéler pas mal d'entrepreneurs, disons, de montrer, ah oui, ok, il y a des entrepreneurs à Luxembourg. Et puis, au début, je les mettais vraiment en couverture du magazine. J'ai changé l'année dernière
tout le design du magazine. Ça, c'était une volonté personnelle. Mais par contre, j'attache beaucoup d'importance à la photo, à la rédaction. Il y a des relecteurs et des traducteurs qui sont derrière pour s'assurer que quand on sort le magazine en anglais, ce soit vraiment impeccable. Et les articles après sont aussi certains sont aussi partagés en ligne. Donc ça a aidé pas mal à la notoriété, je pense, de l'écosystème. Voilà. Après, c'est vraiment un côté vraiment passion. Moi, ça me passionne de faire des magazines. J'aimerais bien en faire toutes les semaines si j'avais à la fois les moyens, le temps, l'énergie. J'ai un truc à raconter. On a plein d'histoires. Ce qui était au début, il n'y avait pas beaucoup de startups. Maintenant, il y en a beaucoup plus. On verra dans quelques mois qui restera. On verra. Mais il y aura toujours des histoires à raconter. Le magazine, voilà, maintenant, on l'a passé en ligne. Donc, on va trouver des moyens que ça continue. Et au niveau des incubateurs, comment est-ce que tu vois là l'évolution? Disons que est-ce que l'incubateur va encore exister dans le futur, dans l'écosystème startup? Est-ce que c'est quelque chose qui est partie intégrante ou surtout maintenant avec Covid, truc mûche là, oui, l'incubateur, difficile. Oui, bah déjà à Luxembourg, les incubateurs, c'est vrai que ça a été la folie là, entre 2000. Allez, moi j'ai lancé octobre 2013, donc on va dire vraiment entre 2014 et au moment où ils ont annoncé Digital Luxembourg, on va dire donc fin 2014 jusqu'à l'été 2018, là, ça a été incroyable. Je veux dire, il y a eu un nombre d'incubateurs, d'accélérateurs, de programmes qui ont été lancés à Luxembourg. C'est même assez, enfin, c'était pas évident à suivre parce qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Et du coup, ils ramenaient aussi eux-mêmes beaucoup de startups, dans leur programme, etc. Donc, il y a eu, à un moment donné, une masse d'informations qui était vraiment très importante. L'année dernière, ça s'est calmé. Ça a plutôt été des espaces de coworking qui ont pris le relais, puisque là, ça se développe vraiment beaucoup. Maintenant, par rapport à la situation du Covid, je pense que oui, les utilisateurs ont une vraie carte à jouer parce qu'ils sont quand même bien organisés, j'ai envie de dire. Ils ont quand même des programmes en interne, des partenaires qui peuvent vraiment accompagner les startups. Certes, la partie loyer, c'est qui est un des principaux revenus des incubateurs aussi. Risque d'en prendre un coup, mais je pense par contre que les incubateurs, oui, après ils ont des cartes à jouer sur effectivement la formation en ligne, sur les programmes d'accompagnement, sur des événements online type hackathon, etc. Je pense que là ils peuvent aussi encore avoir des partenaires, des sponsors qui peuvent les soutenir, donc continuer leur business model. Après, effectivement, la partie, on va dire, en tant que telle, avec tout le remote qui se met en place, ça va être plus compliqué, mais maintenant aussi, un des points très très importants pour les incubateurs, c'est qu'ils vont devoir aussi avoir une infrastructure, on va dire peut-être cloud ou en tout cas autre, pour permettre à toutes les startups qui s'occupent de pouvoir aussi travailler à distance, tout en étant sûr que toutes les données soient bien sécurisées, etc., dans l'univers de l'incubateur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les espaces de coworking, là, c'est aussi là, il va falloir qu'ils se structurent parce que c'est vraiment basé sur l'immobilier, sur de la location. Ils ont souvent deux autres métiers aussi qui sont l'organisation d'événements, ou en tout cas ils louent ou sous-louent des salles pour des événements. Et le troisième, souvent, c'est la partie un peu horeca, donc avec un système un peu restauration. Donc eux, par contre, sur leurs trois vraiment gros piliers de revenus, ça risque de faire mal. Donc là, une nouvelle fois, de pouvoir passer, on va dire, tous les espaces de coworking en online, en fait, hein, que les gens qui sont dans ces espaces de coworking puissent profiter des avantages d'un espace de coworking, d'une communauté, de l'expertise de chacun, à travers une plateforme en ligne. Donc là, il y a par exemple, il y a The Office à Luxembourg qui l'a lancé. J'imagine que les autres vont s'organiser. Silver, une plus grosse chaîne, donc ils sont déjà un peu plus organisés aussi avec des webinars, avec pas mal de choses, mais ils ont l'appui d'un gros groupe immobilier.
Mais bon, maintenant, il faut aussi se réinventer et se réinventer hyper rapidement. En fait, cette crise, en fait, comme elle est très soudaine, ben, le changement, il est aussi très soudain, du coup. Et donc, on doit se réinventer vraiment du jour au lendemain. Et souvent, on entend toujours parler, enfin, moi, des présentations, des workshops, des conférences, j'ai assisté à plein et on disait toujours, voilà, ce projet-là, on va le faire sur telle échelle de temps, ça va prendre 3, 6, 12 mois. Et là, en fait, non, ça 3, 6, 12 jours. Donc, c'est vraiment l'inverse. Et donc, je pense que tout le monde, enfin, ces acteurs, ils ont quand même ils ont un vrai rôle à jouer, en tout cas, en ce moment, pour soutenir tous les entrepreneurs et les startups. C'est aussi, enfin, les entrepreneurs et les startups attendent d'eux qu'ils les aident, alors peut-être pas forcément financièrement, mais qu'ils les aident sur pas mal d'autres sujets pour traverser justement cette crise, quoi, enfin, cette Y avait période un incertaine, quoi. On oui. sait même pas quand est-ce que ça finit. Alors, Ouais. c'est ça, en fait, des fois qui est un peu délicat aujourd'hui, c'est de se dire, bah, ouais, quand est-ce que ça finit? Est-ce que demain on sort et ça repart? Ou est-ce que dans 6 mois on y est encore? Et voilà, c'est ça, L'incertitude l'incertitude. est toujours désagréable pour tout. Voilà. Donc, et là, il faut faire confiance à l'État. Parce qu'à la fin, c'est quand même l'État qui doit gérer dans nos systèmes socialistes subventionnés quand même par nous. Moi, j'ai pas d'autre choix que de leur faire confiance, surtout dans un cas pareil. Et le Luxembourg. Ils ont pris l'initiative très rapidement, en fait, de lancer beaucoup d'initiatives, etc. Donc, effectivement, ils ont annoncé des premières mesures. Maintenant, ils adaptent, ils en relancent, etc. Je pense que ils sont arrivés très, très tôt pour se dire, mais de toute façon, personne n'a eu le choix, je veux dire, pour sauver là, on parle de sauver une société, quand on parle de sauver un pays à chaque fois. Donc, c'est un petit Exactement. peu différent. Donc là, c'est des mesures exceptionnelles. Donc à mesure exceptionnelle, bah, effectivement, il y a des mesures exceptionnelles. Donc ensuite, voilà, ça se réadapte. Il faut expliquer à tout le monde. Je pense que ce qui est difficile, voilà, pour les gens, c'est le fait de ne pas savoir quand est-ce que ça va se finir. Et que bah, malheureusement aussi dans nos sociétés, bah, voilà, on a aussi il y a un besoin financier immédiat. Et je pense que les gens se disent, bah, comment l'État, en fait, finalement, peut. En gros, nous payer ces quelques mois dans lesquels, voilà, on peut pas exercer. Et voilà, c'est Bah, pas une oui. solution, je pense, évidente non plus au niveau des administrations, du gouvernement, de savoir. Enfin, je pense pas qu'ils puissent sauver tout le monde, malheureusement, mais ils vont essayer de sauver la majorité. Mais je pense aussi que c'est un exercice personnel. Par exemple, moi, je loue mon appartement au Luxembourg à une entreprise, pas en fait à deux individus qui ont une petite entreprise qui s'appelle APS Card. Et ils font une carte. La dernière fois que j'ai vu, ils avaient une carte sans fil avec de la biométrie dedans ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas C'est vrai. trop. Et ça sont en fait Locataire. mes locataires. Locataire. Oui. Et moi, où tout était un peu bizarre, je me suis dit, OK, je vais leur proposer si ils ont besoin qu'ils peuvent payer le loyer un peu plus tard. Maintenant, suspendre le loyer est plus difficile pour moi parce que je dois quand même payer mon prêt. C'est vrai. Mais honnêtement, si moi j'aurais mon prêt payé, ça aurait été quelque chose que j'aurais pu proposer. Dire, tiens, OK, de toute façon, j'ai toujours mon boulot, j'ai assez d'argent. Si ça t'aide à faire survivre ton entreprise, alors oublie. Si moi, j'ai pas le loyer pendant 2, 3 mois, mais on s'en fout. Parce que si tu as une entreprise qui a peut-être un certain potentiel pendant les prochaines 20 ans, et mets 3 mois de loyer, ou même 6, mais fuck it, tu t'en fous. Là, il faut un peu quand même être réaliste. C'est C'est pour vrai, je ça pense qu'il y que... a un élan de solidarité. Toi, tu fais cette. Si tu as vu la possibilité, tu aurais fait ça. Tu essaies de t'adapter, tu leur fais Oui. des propositions. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui est important. Je pense que c'est d'essayer de tendre la main, en fait, Oui.
au cercle proche Ah, c'était ouais. pour voir comment tout le monde peut passer. Moi, je discutais aussi avec une voisine. Voilà, elle est indépendante. Ça fait quelques mois seulement qu'elle est indépendante. Du coup, elle n'a pas une trésorerie. Ça fait 6 mois, elle s'est pas non plus construit une trésorerie incroyable. Et donc voilà, c'est aussi un, ben, voilà, comment elle évite pas très loin. Voilà, elle peut, moi, comment je pourrais l'aider quelque part. Et voilà, donc bon, je suis à l'écoute éventuellement de projets potentiels qui pourraient aller pour elle aussi. Mais Parce que ouais, je pense que ma je pense que banque, par c'est exemple, ne s'est pas manifestée pour me tendre la main. Ils m'ont fait une petite pub pour un prêt personnel, mais c'est like, Oui, OK. bon, moi je suis dans le cas de figure. Effectivement, moi je rembourse aussi ma maison. Bon, voilà, pour le moment, je crois que c'est surtout dans les banques au niveau corporate. Là, je pense qu'ils ont pris le téléphone, ils ont appelé tous leurs clients, toutes leurs entreprises. Voilà, pour essayer de trouver les solutions pour sauver aussi un maximum d'emplois. Hein. Voilà, Ouais, il y a l'inflation c'est aussi immobilière à Luxembourg parce que c'est quasiment le plein emploi, le taux de chômage est hyper faible, etc. Donc ça, ils recrutent beaucoup. Et donc là, s'il y a une grosse partie de la masse salariale qui se retrouve au chômage, enfin, il peut y avoir des répercussions sur beaucoup plus de secteurs, en fait. C'est ça Ouais. qui est délicat, ouais. Autre chose, en fait, derrière toi, tu as un sumo Oui. et l'autre image, je la vois pas très bien, c'est quoi en fait? Alors un sumo, donc Ça, ouais, c'est. au-dessus de moi. Donc ça, c'est un cadeau d'un copain, enfin, pour notre mariage. Chouette. Au milieu. Attends, c'est où là? Ouais, C'est là. là, Tac. Ouais, ici c'est une caricature avec un de mes photographes à l'inauguration de la Loft. Ah. Et je trouvais que c'était un truc assez cool. Juste à côté, il y a un petit cheval là, hop, ici. Ça, c'est d'un voyage que j'ai fait en sac à dos en Laponie, Ah, il y a assez waouh. longtemps, en Suède. Et donc, c'est un peu la mascotte de la Suède. Je crois que ça s'appelle le cheval de Dalheiden. Enfin, c'est ça, en fait. Et donc, j'avais acheté ça chez une petite artiste en Suède, à Stockholm. Et à côté, c'est une peinture d'une artiste qui s'appelle Malika Favre et qui est une des notamment des personnes qui fait les couvertures du New Yorker. Et donc en fait le New Yorker, moi c'est un média qui me passionne. Enfin moi j'adore leur couverture et donc je suis beaucoup de leur graphiste, sur les réseaux sociaux. Et puis, en fait, ça représente un court de tennis. Et donc, voilà, le tennis, c'est mon sport historique. En fait, c'est un peu la terre battue coule un peu dans mes veines depuis longtemps. Et voilà, j'avais beaucoup aimé sa création et je me la suis offerte. Voilà, Ah, chouette. j'ai plusieurs autres petites choses que j'ai pas eu encore. Mais ouais, voilà, c'est des personnes que j'aime bien, que je suis. Ouais. Ok. Et maintenant pour Silicon Luxembourg, comment est-ce que tu vois maintenant l'évolution? Je suppose que tu as maintenant tous tes startups apéro et tout ça. Bon, pas possible en physique. Tu fais quoi? Oui, bah donc voilà, oui, moi c'est vrai que du jour au lendemain, les événements se sont arrêtés. Bon, j'en organisais déjà un tout petit peu moins parce que pour des raisons personnelles, j'avais juste un peu moins de temps avec la vie familiale. Mais effectivement, les startups apéro, moi je les organise depuis janvier 2014, donc je les ai vraiment lancés au tout début de Silicon Luxembourg. Pourquoi j'avais lancé tous ces événements? Déjà, à la base, c'était pour créer une communauté, parce que quand j'ai lancé Silicon Luxembourg, j'avais pas de lecteurs. Donc, envoyé un premier email à des copains et des gens que je connaissais au Luxembourg, il y avait peut-être 250 personnes dans mon premier email. Et puis après, je me suis dit, mais si je veux avoir des lecteurs, il faut que je fasse connaître le site. Et donc, je m'étais dit, bah, je vais organiser des petits événements chaque mois, type after work ou des workshops ou des conférences. Et puis, bah, ces personnes qui viendront participer, après, mon objectif, c'est qu'ils s'inscrivent à la newsletter, qu'ils lisent le site, etc. Et donc,
janvier, j'ai commencé à organiser des startups apéros en invitant voilà, un entrepreneur sur scène, en parlant 1 heure avec lui, en permettant à tous les participants de pouvoir aussi poser des questions en live, de boire une bière ensemble pour se connaître. Et puis ensuite, j'ai rajouté des parties plutôt open stage pour permettre à quiconque dans la salle de pouvoir monter sur scène pendant 1 minute et de pouvoir présenter un projet ou parler d'un truc, ce qu'ils veulent. Et également d'avoir des petites présentations de start-up en 3 minutes avec des slides pour qu'elles puissent présenter voilà, leur projet. Donc, à l'année, moi, ça représente à peu près 1 000 personnes, effectivement, qui participent aux événements. Donc, c'est comme mon magazine, pour moi, c'est un investissement type, on va dire, plutôt marketing aussi pour faire connaître Silicon Luxembourg. Et puis, il y a le côté aussi ensuite de pouvoir créer une communauté, de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer dans un cadre vraiment convivial. Donc oui, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Moi, j'avais un événement, le dernier Startup Apéro physique qui était prévu, c'était le 10 mars, il me semble, et je l'ai annulé en fait à la dernière minute parce que j'avais très peu d'inscrits. C'était la première fois. D'habitude, on est ouais, entre 80 et 100, et là, on était à peine une trentaine. Et ça faisait déjà quelques jours qu'on commençait à en parler dans les médias, justement, de cette histoire de crise, de Covid, etc. Donc, je pense que les gens commençaient à être méfiants là depuis quelques jours. Donc, ça, c'était le 10 mars. Le 11 mars, voilà, j'étais en déplacement. Et puis, quand je suis rentré de mon déplacement, là, j'ai. Ouais, tout de suite, même dans la voiture, j'ai entendu que oui, ça commençait à changer la situation, que tous les événements étaient annulés, etc. En tout cas, les rassemblements de plus de 50 personnes et autres. Et puis voilà, en fait, au bout de quelques jours, voilà, il n'y avait plus du tout d'événements. Donc moi aussi, c'était une activité, c'était d'aller sur les événements, de pouvoir en parler ou d'être partenaire média ou des choses comme ça. Et donc, bon, dans un premier temps, déjà, il a fallu un peu s'organiser personnellement en famille pour pouvoir travailler avec tout le monde à la maison. Et puis cette semaine, en fait, j'ai relancé les startups apéro, mais en ligne. Donc, ce que j'ai fait, voilà, on a fait un live sur Instagram mardi soir, le premier apéro, et on va le faire tous les mardis. Et donc voilà, comment ça se passe? Bah, pendant 1 heure, j'appelle 3 entrepreneurs. En tout cas, c'était le format du premier. Pendant un quart d'heure, et puis on discute, voilà, savoir comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font, Chouette. voilà, quelles sont leurs pensées sur ce qui est en train de se passer. Et puis voilà, on a eu à peu près 200 spectateurs en cumulé pendant cette première heure, ce qui était bah, finalement plus qu'un startup apéro physique, avec beaucoup de messages reçus, quelques questions qui étaient posées. Donc l'idée, bah, voilà, sur cette période, mais peut-être sans doute ensuite après aussi de temps en temps, de pouvoir continuer à organiser ces événements en ligne. Bien évidemment, ça change le contact social qu'on peut avoir sur un événement. Et j'espère qu'on pourra en réorganiser très vite parce que ça a un côté quand même très sympathique de pouvoir discuter, boire une bière, manger une pizza tous ensemble. Mais là, c'était un bon premier format. Ouais, c'était très cool. Moi qui suis pas du tout en plus quelqu'un qui poste sur les réseaux sociaux à titre personnel ou qui les utilise beaucoup à titre personnel. Bon, là, je me suis lancé sur un live Instagram. Il a fallu déjà un peu que j'apprenne un peu avant voilà, à animer la communauté. Ouais. Ouais, c'est Et à savoir comment ça marchait, surtout que ça a bugué forcément. ouais. Il y a eu des aléas pendant le direct, mais bon, c'est le côté sympa. Ça a toujours été détendu, les startups apéro. On n'est pas sur un workshop, une conférence ou autre. Donc les gens étaient assez compréhensifs, en tout cas, j'espère. Oh, ouais, c'est Voilà. l'aspect un peu plus relax, quoi. Oui, et l'idée, c'est de continuer à en organiser. Donc demain, je vais commencer aussi des événements, des petites chats aussi pendant 30 minutes avec un entrepreneur ou même un freelance qui est pas forcément Luxembourg. Donc demain, je commence avec une de mes freelances, par exemple, qui est au Luxembourg, mais qui est une luxembourgeoise qui vit en Indonésie à Jakarta. Ah, wow, Et donc on fait c'est un une pour une voisine pour demi-heure, moi. voilà, un petit chat. Donc ouais, tiens-toi prêt parce que peut-être que je t'appellerai un jour une demi-heure et puis on fera Bah, un live pourquoi pas? sur Insta, quoi. Non, non, voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de peut-être de rapprocher la communauté, de profiter de cette période, et je pense que ça c'est valable pour tout le monde, pour un peu renforcer la marque aussi Silicon, notre présence. Moi je suis pas forcément un média où on parle beaucoup politique et enfin, même
Pas du tout normalement. Et autres, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'actualités qui viennent des ministères et autres, mais il faut être capable de la traiter. Mais moi, j'essaie quand même de toujours rester dans l'angle vraiment tech et startup au maximum et continuer à animer la communauté. Après, dans la mesure voilà des moyens ou de montants disponibles. Enfin, on en parlait tout à l'heure par rapport aux autres médias à Luxembourg. Moi, je suis tout seul avec 15 freelances et il faut que tout le monde soit dispo. Moi, c'est plutôt des freelances qui rédigent du contenu. Tous mes photographes aussi sont à l'arrêt complet pour leur travail. Ils peuvent pas aller faire des photos dans les... on peut pas faire de vidéos non plus. Donc, on est vraiment là plutôt sur du contenu, on va dire statique. Et donc, je vais essayer de relancer un peu du contenu un peu dynamique, type voilà réseaux sociaux aussi pour. On a un newsletter qui marche bien. On a lancé un magazine digital. Des idées, j'en ai plein. Maintenant, il faut réaliser sur cette période-là. Oui, l'aspect journaliste pur, où tu mets aussi un œil un peu critique sur aussi le milieu des startups. Au Luxembourg, c'est difficile parce que, honnêtement, si tu veux faire ça, tu veux faire ça en tant que journaliste qui s'y connaît bien, parce que sinon, tu critiques pour critiquer. Parce que tu vas trouver chez chaque petite entreprise des petits trucs où tu peux dire, oh oui, mais ça, c'est pas OK. Mais vraiment quelque chose un peu plus approfondi. Et aussi, pour moi, le journalisme veut aussi proposer d'autres vues, des solutions peut-être. Et ça, parfois, c'est pas donné, surtout au Luxembourg. Certaines choses que tu lis en ligne, c'est... Ça fait un peu Oui, mal, quoi. c'est pas évident. Luxembourg, bon, il y a un côté. Bon, déjà, un, moi, je suis pas journaliste. Donc, je me suis vraiment lancé dans ce côté-là parce que j'ai une vraie passion pour les médias. Par contre, je me suis entouré dans mon équipe de freelance. Par exemple, j'ai aussi trois journalistes, par exemple, seniors, qui, voilà. Donc, eux, quand ils rédigent l'article, on a les bonnes infos, ils savent bien le faire. Enfin, c'est propre. Maintenant, je suis d'accord que nous, on n'a jamais fait d'enquête où il y a plein de sujets dont j'aurais voulu parler peut-être un peu plus, on va dire, pas crûment, mais de dire des fois un petit peu l'envers du décor, parce qu'en fait, ma situation fait que, avec tous les entrepreneurs que je connais, voilà, j'ai aussi pas mal d'infos des fois sur des choses qui vont pas ou autre. Mais le fait est qu'au Luxembourg, c'est aussi un tout petit écosystème. On dit toujours, Luxembourg, c'est un village, mais c'est exactement le cas. Et parfois, c'est savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, quoi. Est-ce qu'on sort le papier qui dérange ou est-ce qu'on ne le sort pas? Moi, j'ai rarement sorti un papier qui dérangeait. On me l'a demandé. Puis je reçois des messages, voilà, en me demandant que tu pourrais peut-être moins brosser des fois les startups dans le sens du poil parce que, voilà, leur solution, c'est tout nouveau, ça marche peut-être pas forcément. Mais voilà, après l'écosystème, il est assez petit. Maintenant, je commence à avoir quelques articles, un peu plus d'opinion. Alors, je vais pas en sortir tous les matins, mais un peu plus aussi pour que les gens aussi peut-être partagent aussi leurs infos, postent des commentaires, qu'on en sache aussi un petit peu plus. Maintenant, voilà, l'écosystème startup à Luxembourg est tellement petit. On parle de 300-400 startups. Si j'en avais 15 ou 20 000dont je devais parler, c'est sûr que je pourrais. Il y a peut-être fournir des enquêtes qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est pas l'idée non plus, quoi. Enfin, déjà, on construit un écosystème, ça a pris du temps. Moi, quand j'ai commencé, enfin, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait Technoport, il y avait un espace de coworking qui a changé maintenant. Et quelques programmes qui commençaient. Maintenant, l'écosystème établi, il est plus intéressant. Donc, on aura peut-être quelques histoires un peu plus croustillante, hein, parce que c'est ça qu'il faut voir, à raconter un peu plus tard. On dit toujours, il y a les articles cliquables sur les sites ou les réseaux sociaux ou les magazines. Enfin, on voit bien le contenu qu'il y a. On essaie de, en tout cas avec mes freelances, de pas faire ouais, du contenu trop bateau. Quand on fait des portraits de startups, voilà, on fait un portrait, on essaie aussi de leur filer un coup de pouce parce que c'est ça l'idée aussi, c'est un peu la solidarité. Donc voilà, oui, c'est aujourd'hui, Luxembourg,
Ouais, je suis pas rentré dedans. Je pense que les autres médias, ils ont les faux, ils ont les reins suffisamment solides. Aussi, moi, il y a ça, hein, si jamais je sors un truc trop critique et que je perds tous mes annonceurs d'un coup pour telle position, voilà, bon, il y a aussi le risque, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, pour savoir si je fais quelque chose demain, quoi. Oui, sûr. Bah, mais là, on a déjà vu dans le passé pas mal de cas de figure où même les grands se cassaient le dos sur certaines positions, quoi. Mais bon. Enfin, nous, on n'a pas d'approche, comme je dis, on n'a pas d'approche. Enfin, le site, il est complètement apolitique et autres. Donc, déjà, nous, on n'a pas cette approche-là. On n'a pas de contenu, voilà, qui peut normalement prêter justement à être, voilà, nous faire passer un temps difficile. Normalement, c'est plutôt assez clair. Voilà. Enfin, en tout cas pour le moment. Mais maintenant, ce que j'aimerais aussi, c'est que pendant cette période, c'est quand même profiter des fois sur des discussions comme ça en ligne ou sur quelques. Là, je prévois quand même de publier presque un article par semaine, personnellement, plus sur un article d'opinion, pour essayer un peu aussi de faire bouger un petit peu, parce que je sens que voilà, il s'est passé, mais qu'on est resté assez plat finalement dans. Il faut pas trop que ça dépasse, il faut pas trop dire quand ça va pas, des choses comme ça. Il faut. Mais je pense qu'il faut quand même faire en sorte que les gens puissent aussi exprimer leurs opinions. Et donc, je vais, voilà, dans mes articles, juste essayer de soulever des fois un sujet, un peu comment les gens répondent. Mais vraiment, c'est pour le moment le max qu'on fait. Mais bien, super. As-tu encore quelque chose qui te tient à cœur que tu veux discuter ou est-ce que j'ai oublié Non, quelque chose ou... j'espère simplement vraiment que l'écosystème startup, voilà, va réussir à se maintenir, parce que ça a été beaucoup d'investissements de la part de, et beaucoup d'autorités, d'entreprises, de personnes, voilà, pour créer un écosystème au Luxembourg. J'espère que voilà, les startups ont les reins suffisamment solides, que les entrepreneurs ont d'autres cartes aussi à jouer dans leurs propres entreprises, voilà, pour s'en sortir, parce qu'on sait là, malheureusement, voilà, il faut trouver aussi. Si on a quelques clients qui peuvent nous aider à passer la période, c'est quand même mieux. Donc, j'espère, voilà, que l'écosystème sera assez solide, que les mesures qui ont été annoncées par le ministère de l'économie, Lux Innovation, etc., suffiront en tout cas à maintenir l'écosystème. Donc, ça, c'est une point. J'espère aussi qu'on puisse profiter aussi de ce moment. Aussi entre entrepreneurs aussi pour renouer des liens, parce qu'on est tous un peu la tête dans le guidon tout le temps, et je trouve que c'est pas mal de pouvoir aussi s'entraider dans ce moment-là. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que soit pendant soit juste après, on puisse plus marketer l'écosystème luxembourgeois aussi à l'étranger, qu'on apparaisse un peu plus quand même sur les cartes du européenne ou autre, dans les articles, dans les médias, dans plein de choses, parce qu'aujourd'hui c'est pas suffisamment le cas, et on a quand même pas mal de petites pépites à Luxembourg, donc ça c'est intéressant. Puis après, à titre plus personnel, parce que moi je suis indépendant, et indépendant à Luxembourg, ouais, j'espère que nous on passera tous le cap, parce que c'est un moment qui est pas évident. On n'a pas tous de la trésorerie, malheureusement. Et voilà, il y a quelques aides qui ont été annoncées, donc on va voir si les aides, ou en tout cas les promesses qui ont été faites, seront tenues. C'est toutes ces choses-là. J'espère qu'on en sortira assez vite aussi pour pouvoir recommencer une activité. On Et va puis, voir, ouais. ouais, on va voir. En tout cas, moi, ce que je vois après, à titre personnel, avec ma famille ici à Luxembourg, c'est que voilà, par contre, on est super proches, on passe des très bons moments ensemble. Ça demande pas mal d'organisation du coup, mais on est quand même tous finalement assez soudés, quoi. On vit peut-être en un cercle un peu plus restreint, mais je trouve qu'on partage aussi beaucoup plus. Donc oui, ça, j'espère qu'on arrivera, mais c'est clair que cette crise, elle va nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes, déjà à titre personnel, et puis sur nous-mêmes en tant que société, ou pays, ou voir comment s'en sortir, ouais. Et j'espère en tout cas qu'on arrivera aussi à prendre
qu'il y aura peut-être des solutions qui vont émerger pendant cette période qui seront durables. Parce que j'espère pas juste que toutes les solutions qui sont proposées, là je parle des startups ou par toutes les entreprises, que dès que ça va reprendre, que toutes ces solutions vont être oubliées. J'espère aussi qu'on va un peu changer, un peu de fonctionner, de travailler. Toi, moi, on travaille à distance et ça se passe très bien. Ce serait génial que toutes les entreprises puissent dire qu'après cette crise, bah ouais, le travail à distance est peut-être un truc hyper bénéfique pour tout le monde et que ça va être beaucoup plus généralisé, que ça va résoudre des problèmes de mobilité, de santé, de plein de choses. D'environnement. Environnement, sécurité, enfin plein de sujets. Et ça, j'espère juste que voilà, ça va pas Mais tomber aux oubliettes, quoi, vraiment. de nouveau, ça c'est quand même quelque chose qui doit se passer au niveau étatique et surtout dans un petit pays comme le Luxembourg où tu as beaucoup de frontaliers. La seule raison pourquoi on n'avait pas encore du téléworking sans les cotisations, hein, qui paye les taxes dans quel pays? Où est-ce que la grande discussion, où est-ce que la richesse elle est créée? Si maintenant quelqu'un bosse de la France pour le Luxembourg, en théorie, il crée une richesse pour le Luxembourg. D'ailleurs, l'État français voit pas trop de ça, sauf bien sûr les achats directs de la personne qui vit en France. Et là, il faut des économistes qui tiennent la route. Il faut des gens qui ont fait des projections, qui on fait un peu d'études sans que ça prend 10 ans, quoi. Mais là, il faut voir. Oui, bah, ça c'est sûr que Luxembourg, après, c'est un marché qui est particulier, hein, cette zone frontalière, en tout cas, elle amène voilà, peut-être d'autres sujets sur la table voilà, qui sont un peu plus techniques, qui se passent entre tous les pays, hein, puisque voilà, entre le Luxembourg, la France, la Belgique, l'Allemagne, c'est vrai que chacun regarde aussi. Quelle décision prend l'autre, puisque voilà, l'objectif c'est quand même que bah, le Luxembourg aussi n'ait pas les frontières fermées pour continuer à tourner en partie aux frontaliers, que voilà, le Luxembourg est aussi assez dépendant de ses voisins. Oui, j'espère en tout cas que ce qui va être mis en place, ce qui va être décidé au niveau étatique, voilà, restera. Même si là, bon, ce sont des mesures vraiment extraordinaires là maintenant, mais j'espère vraiment que ça va, ouais, que ça va se poursuivre aussi, que tous les entrepreneurs qui sont en train de lancer des projets en ce moment vont vraiment les faire perdurer, et que ceux qui lancent des projets qui sont similaires vont peut-être fusionner leurs projets pour être plus forts aussi. Ok, bah joli joli. Moi je vais faire un tout Cool. petit outro et puis Ouais. dans quelques minutes je vais revenir vers toi Ok. et puis on va se dire au revoir proprement. D'accord, ok. So basically, that was Charles-Louis from Silicon Luxembourg. And again, a big thank you to him for being on the show. And well, basically, in the current times we live in, it's rather important that we keep touch not only within companies, but also like within humans, because the main question is, what is a company? Is a company a human entity? Is it just an inanimate entity? That's still, to date, depending on which country you are in, a different definition. Basically, what Charles-Louis started in the very beginning, he tried to bring people and companies together, and especially smaller company startups. It's really people-based, people-focused, and in that sense, he's a quite good example for being one of the early voices of the Luxembourgish startup ecosystem. And knowingly or not, he also brought the politicians together, because all of a sudden you see, oh, there is a platform where people share stories about startups, and politicians, especially in a small country like Luxembourg, cannot ignore that.
Even though personally I have criticized the government at the very beginning of their efforts, because like the House of Startups that was promised took for just like forever. But again, it took forever for someone who is impatient and who might not really understand what it means to build a real infrastructure that has a certain longevity, because there's also no point in actually building a startup a House of Startups, and then it's kind of like it's like doesn't work for anyone. All in all, thank you very much for being just awesome, and see you on the next one.